Cette semaine, Méditerranéo se décline tout d'abord au Baléares. Regard sur l'île de Formentera qui privilégie la protection de l'environnement. En Corse, nous suivrons une opération scientifique de préservation du goéland dodoin. À 7, regard sur une activité en crise, la pêche traditionnelle. Enfin, la séquence mémoire cap sur le Maroc pour évoquer la récolte du safran. Formentera est sans doute la moins connue des quatre îles de l'archipel des Baléares, mais elle cultive sa différence. En 2007, Formentera devient plus autonome avec la création d'un conseil insulaire qui gère désormais ce territoire. Ici, la protection de la nature reste une priorité de chaque instant. Quand l'homme essaie d'imaginer le paradis sur terre, cela fait tout de suite un enfer très convenable. Le poète Paul Claudel aurait pu s'inspirer de cette île de Formentera pour réviser son jugement. 20 km de long, 2 de large, ce havre de paix est une ode à la préservation de l'environnement. Formentera, surnommée la petite sœur d'Ibiza, fait partie des Baléares. C'est la moins connue des quatre îles de cet archipel, mais elle revendique haut et fort sa différence. Ici, la protection de la nature reste une priorité de chaque instant. En 2007, Formentera devient plus autonome avec la création d'un conseil insulaire qui gère désormais ce territoire. Elle s'émancipe de la toute proche Ibiza. La défense d'un meilleur environnement, un objectif évoqué dès l'école. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation pour protéger les espaces naturels. Ici, depuis les années 70, le combat est permanent pour défendre notre environnement direct, en fait pour protéger ce qui fait notre différence à Formentera. Le modèle touristique que nous voulons est à l'opposé du tourisme de masse. Nous souhaitons un tourisme proche de la nature, ce qui implique la protection efficace de notre environnement. Des plages respectées et une qualité des eaux de baignade exceptionnelle. Ici, les fonds marins sont visibles jusqu'à 50 mètres, un record dû à la présence massive de posidonies. 40% de cette plante en Espagne est concentrée autour de cette île de Formentera. Elle agit comme un agent nettoyant de la mer. Son importance est vitale. Sur les plages, on n'hésite pas à informer les touristes sur les vertus de la posidonie. Cette plante est très importante parce que la Méditerranée est comme un grand lac. Ce n'est pas un océan, il n'y a pas autant de courant. Cette plante produit beaucoup d'oxygène. Elle nettoie les fonds marins, elle agit comme un poumon naturel. C'est une plante qui a une capacité incroyable de nettoyage de l'eau. C'est pour cela que nous avons cette qualité d'eau aussi transparente. Ivan Moreno fait partie des 5 gardes-côtes de Formentera qui sillonnent toute l'île pour surveiller, éventuellement arraisonner, des bateaux qui ne respecteraient pas la législation locale. Ibiza, l'île voisine, est 7 fois plus grande que Formentera. Elle ne possède pourtant que 2 gardes-côtes. C'est dire l'importance que prend la protection de l'environnement ici. À chaque nouvelle saison touristique, Formentera essaye constamment d'améliorer sa politique de protection. La nouveauté cette année, c'est le marquage dans les cartes de nuit des zones protégées de Posidonie. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de bateaux étrangers qui accostent surtout la nuit. Et comme cela, sur ces nouvelles cartes, ils seront parfaitement informés. Une première en Europe ? C'est une première sur toute la Méditerranée. 6000 habitants à l'année vivent dans ce petit coin de paradis. 5 fois plus durant la période estivale. Toute la population se sent concernée par la défense et la préservation de cette île. Ici, on n'hésite pas à informer les touristes de passage sur les bonnes habitudes à prendre pour protéger son environnement direct.
Des gestes simples, trop souvent oubliés, mais qui s'avèrent très efficaces sur le long terme. Chez nous, le recyclage est naturel. Les emballages en carton, le verre, on sépare et on trie l'ensemble de nos déchets. On essaye de faire prendre conscience aux touristes de toute l'importance de ce tri sélectif. On insiste sur les méfaits du plastique. C'est pourquoi, nous, on propose ces sacs recyclables. Au mois de mai 2019, tous les véhicules qui relèvent des différents services publics de Formentera seront électriques. Tout ici est mis en place pour faciliter cette utilisation. Mais la pollution liée à la circulation automobile est telle, surtout sur un aussi petit territoire, que d'autres mesures radicales viennent d'être arrêtées. C'est le premier été cette année que nous avons décidé de limiter le nombre de voitures à essence. Tous les véhicules électriques peuvent venir sans limitation toute l'année à Formentera. Mais lorsqu'on atteint le seuil de fréquentation que l'on a fixé, on interdit la venue de toute nouvelle voiture. Cette politique d'une défense systématique de l'environnement n'a pas toujours été facile à appliquer. Des intérêts économiques liés au tourisme font toujours pression pour atténuer l'ensemble de ces mesures de protection. Mais les responsables politiques de Formentera font de la résistance. Depuis 30 ans, 75% de cette île est déclarée inconstructible. Et la mobilisation de la population locale ne faiblit pas. Les restaurants, par exemple, pratiquent le compostage des ordures ménagères. On est une petite île très fragile. On essaye de se protéger de la meilleure manière possible. Depuis quelques années, on essaye de faire de Formentera un symbole de la protection et de la préservation de la nature. On travaille avec tous les professionnels du tourisme. L'objectif est de convaincre tous les gens qui viennent chez nous d'être là pour apprécier l'environnement et non pour l'exploiter. Pour cela, il y a d'autres destinations. À Formentera, 10% du territoire est occupé par un parc naturel. Une attraction touristique de choix avec des randonnées pour mieux appréhender cet environnement exceptionnel. Mais tout cela reste très fragile. Une politique de protection de la nature doit s'inscrire obligatoirement dans la durée. Un objectif toujours difficile à tenir au vu de tous les enjeux. En Méditerranée, les territoires produisent des richesses et attirent beaucoup d'investisseurs. Dans des domaines comme le tourisme, l'économie du nautisme ou l'urbanisme, c'est un pouvoir économique très fort, très influent. Ici, ce qui se passe, c'est que Formentera est une petite île, un espace naturel privilégié qui doit faire très attention à son développement. Il s'agit d'une question d'équilibre qui, au fil des années, penche soit du côté d'une protection efficace de l'environnement, soit du côté du pouvoir économique. En ce moment, on vit une bonne période ici pour la défense de la nature, mais il faut rester vigilant. Tout cela reste très fragile. La difficulté est de continuer à appliquer notre politique de protection sur plusieurs décennies. Le problème est que nous puissions perdurer trop de temps. Vigilance et conscience. Il y a bientôt 10 ans, l'UNESCO a classé le littoral de Formentera au patrimoine mondial naturel. Rien de plus logique au vu de la qualité et du maintien de la préservation de cet environnement unique. L'origine latine de Formentera signifie le grenier. Un grenier où les trésors de la nature sont précieusement conservés et protégés jusqu'à présent. Le goéland dodoin est une espèce protégée et c'est sur la base d'Aspreto à Ajaccio que se trouve le seul site de nidification habituel de cet oiseau. Nous avons suivi le travail mené dans le cadre d'un programme scientifique européen avec l'appui de la Marine nationale. Tout va bien, donc on va compter les nids, les pontes, et ça nous aura. Alors je pense que cette année, on va avoir une bonne dynamique de population. Là, ça se passe bien pour le moment. Hein. Voilà. Avec Xavier, on file au bout. Pas de souci. Chaque année depuis 1994, Bernard Recorbet compte les nids de goélands dodoins sur la jetée de la base aéronavale d'Aspreto à Ajaccio. Chassés de leur site naturel de nidification,
par la surpopulation des goélands leucophées, ils étaient il y a quelques années menacés d'extinction. Grâce à un programme scientifique européen et la coopération de la marine nationale qui interdit l'accès au site, ces oiseaux protégés forment ici la principale colonie française. Reconnaissables à leur bec rouge corail et leurs pattes gris vert, ils nichent uniquement en Méditerranée et trouvent ici les conditions idéales à leur installation. Durant 4 mois, ils sont comptés, étudiés puis bagués, le but étant de mener à bien le cycle de la reproduction. Voilà, donc là, le mâle s'active pour aller consolider le nid, qui est une simple cuvette avec des brindilles, hein, et des brins d'herbe, ça, c'est tout. Alors, c'est une bonne indication, le nombre d'adultes présents sur la colonie, parce que, en général, quand tout va bien, il y a toujours un des deux adultes qui est là. Et donc, tu fais le rapport entre le nombre d'adultes et le nombre de nids qu'on a compté, quoi. Donc là, on avait compté 56 nids, et là, tout le monde voit 22 adultes. Le 18 avril, le premier oiseau nicheur est repéré. Installé de l'autre côté de la jetée, les agents de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du littoral et ceux de l'Office de la chasse et de la faune sauvage se relaient 3 fois par semaine pour noter les mouvements de la colonie. Il y a le 29 qui couve. P égale 1 et le 29 qui couve. Ouais, je sais pas si... Mais avant, je ne l'ai pas vu. Le 29, il est mort. Le nid compte en général 3 œufs que le mâle et la femelle vont couver en se relayant entre 30 et 33 jours jusqu'à l'arrivée des poussins. Nous sommes le 18 mai. Les poussins reconnaissent de suite leur territoire. Ils restent près du nid ou se cachent sous les abris et attendent que leurs parents viennent les nourrir. Ces oiseaux marins parcourent jusqu'à 100 km par jour pour trouver leur nourriture, composée essentiellement de petits poissons qu'ils pêchent en volant au ras de l'eau. L'élevage des petits est aussi l'affaire du couple. Et si l'un des deux meurt, les poussins ne survivront pas. Au bout d'un mois, les poussins devenus juvéniles se mettent à l'eau, mais ne savent pas encore voler. C'est le moment idéal pour les baguer. Nous sommes le 15 juin et toute l'équipe est réunie autour de Bernard Récorbet pour un dernier briefing. Donc pour l'organisation, comme chaque année, lorsqu'on bague, c'est pas très compliqué. Hein. Donc on a un canoë. Le canoë, l'objectif, c'est d'aller au bout de la jetée, vous voyez, au phare vert là, derrière, on va se planquer. Je laisserai une personne, je reviendrai, je reprendrai Roxane. On va mettre en place une barrière pour éviter que les oiseaux justement aillent de l'autre côté de la jetée et tombent dans des trous, notamment quand ils seront bagués parce qu'ils sont un petit peu affolés quand même. Et puis avec des cartons, nous, on donnera le top départ pour que le gros de l'équipe parte de la grille et par un système de prise en tenaille, très efficace, n'est-ce pas, on récupère le plus possible de poussins. Alors on est parti, hein. La mission est délicate. Les juvéniles doivent être attrapés et gardés dans des cartons à proximité de leur nid. Le kayak permettra de récupérer ceux qui tenteront de s'échapper par la mer. Une fois sur la jetée, chacun se répartit les tâches car l'intrusion doit être la plus courte possible. Tu bagues le premier, ouais. La bague, ouais. Et la personne garde l'oiseau en main et vient me voir après. Les oiseaux sont munis de 2 bagues. Une en métal obligatoire, fournie par le Muséum d'Histoire Naturelle, et une colorée et numérotée. Cette seconde permet une reconnaissance des oiseaux nés ici à l'aide de jumelles ou de longues vues. Attends, tu peux pas le prendre dans l'autre sens? Dis-moi comment, comme ça? Attends, essaie de le tourner. Ouais. Voilà, comme ça. D'accord. Okay. Il faut que quelqu'un tienne la patte là, parce qu'il va bouger la patte et là c'est un peu plus délicat. Donc, à partir de là, on va mettre le F en bas, on va mettre comme ça. Parce que tu vois, il faut écarter les 2 trucs, il faut réussir à passer. Voilà, et quand c'est fait, on relâche doucement et ça se referme tout seul. D'accord. Voilà. D'accord, voilà. C'est bon? Non.
Normalement, les numéros doivent se suivre. Hein. Une fois les bacs posés, il reste à effectuer un prélèvement de duvet qui permettra de connaître le sexe des individus. Cette année, à la lecture des bagues, on a pu savoir que sur les 56 oiseaux nicheurs, 46 étaient nés ici, 8 en Sardaigne et que les plus âgés avaient 17 ans. 31. C'est pas mal. Bon, maintenant, il faut vider les cartons et partir le plus vite possible. Et on commence dans le fond. Récupérez bien tout votre matos. Grâce au système de marquage et la mise en place d'un réseau d'ornithologues répartis en Méditerranée, le déplacement des oiseaux est suivi. Ainsi, cette année, un oiseau né à Aspret a été vu nichant en Croatie pour la première fois. L'année est satisfaisante. 31 juviniles ont été bagués. Mais 3 adultes ont été victimes d'hameçons et de lignes de pêche. D'ici 3 semaines, les juvéniles vont s'envoler et à la mi-juillet, toute la colonie sera dispersée. Les adultes partiront vers le sud de l'Espagne et les juvéniles descendront jusqu'au Maroc et au Sénégal, où ils resteront au moins 2 ans. Puis, à l'âge de 3 ans, vêtus de leur beau plumage blanc d'adultes, ils reviendront ici pour nicher à leur tour. Cela s'appelle la phylopatrie et concerne 80% des oiseaux. Les autres, surtout des femelles, se mélangeront à d'autres colonies méditerranéennes et ce brassage génétique est indispensable. En 24 ans, grâce à ce programme scientifique, 597 oiseaux nés ici ont pris leur envol. Ces résultats sont encourageants, mais les goélands d'Audouin font toujours partie des espèces menacées. Le secteur de la pêche est en crise, la concurrence internationale, les contraintes européennes, le découragement gagne la plupart des patrons pêcheurs. La jeune génération, elle, s'interroge sur l'avenir. Les obstacles sont en effet nombreux pour pouvoir vivre décemment de ce métier. Reportage à 7. C'est leur dernier né, sorti il y a 8 ans du chantier. Un chalutier flambant neuf, cassé, broyé. Sa coque polyester, déchirée. Si rare à 7, la neige ce jour-là tombait comme un linceul. Disparu le Térésina, le Maxime Louis, le Kelirouko et le Ligouri. Chalutier trop nombreux pour être rentable. Le premier port de pêche de Méditerranée est en rade. La moitié de la flotte de ces navires de 25 mètres est partie à la casse. Sauveur Ligouri a détruit son chalutier l'année dernière, le même que celui-ci, construit grâce aux subventions de l'Europe. Elle a incité les patrons de vieux bateaux à investir jusqu'à 1,5 million d'euros dans du gros. Pourtant, 10 ans plus tard, cette même Europe offre une prime pour la sortie de flotte des bateaux les plus récents. À peine de quoi payer les dettes de Sauveur qui, comme beaucoup, s'est retrouvé endetté jusqu'au cou. Voilà. Tu tiens l'héritage de mes petits-enfants, là, tu vois. Sur le quai, voici tout ce qu'il reste de ses espoirs engloutis. Après 50 ans de travail, voilà, c'est tout est là. Ça va faire bientôt 6 mois, là, que personne n'achète rien et c'est là. Ça va aller à la poubelle, là, ça va aller à la casse, là. Moins 2 degrés, 70 km/h de vent. Première levée du filet dans le golfe du Lion à 8 heures pour Rudy et ses marins pêcheurs. Dans toutes les têtes, la même question, le poisson sera-t-il au rendez-vous? Comme partout ailleurs sur la côte, il se fait rare. C'est l'ensemble de la Méditerranée qui est sinistrée. Quand on prend des choses comme ça, c'est dur. Hein. Faire une heure de trait pour rien, c'est pas trop bien, quoi. Comme ça. Quelques kilos de merlan, du poisson blanc, mais pas l'ombre d'un bleu. Ni sardines, ni anchois, ni merlu. Vite, Rudy repart chasser vers des eaux qu'il espère plus poissonneuses.
Depuis 4 ans, la mer se vide. Alors tous, comme Pierrot, s'interrogent. Ils ont trouvé du mercure dans le Rhône. Parce qu'en 15 jours, la sardine a disparu. En 15 jours. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tout le monde dit rien. Tu crois pas que c'est parce que les pêcheurs ont surpêché ? Non, non, non. Bêtise. C'est l'avidité des pêcheurs. Peut-être aussi, mais enfin bon, il y a aussi le facteur pollution. Hein. Oui. Le voilà enfin le bleu, de l'anchois en pagaille. Tout le monde s'y met, même le capitaine. 1,5 tonnes, un beau coup. Qui met du baume au cœur à Pierrot, doyen de l'équipage. Un cœur énorme, plus de lombaire. Ça va plutôt bien, oui. Maintenant, il faut voir à terre s'il y a le prix. Il faut voir avec le prix maintenant. Foncer à la criée pour peser ce poisson fragile et essayer d'en tirer le meilleur prix. Élève au lycée maritime, Arthur, 17 ans, rêve de pêcher au large comme eux. Songeur face au chalutier désormais coupé en deux. Ça va faire à peu près une bonne heure que je suis là, en train de regarder le massacre. Ça fait peine. Voilà. Ça, si on vient, pourquoi ? On vient pour les plages. D'accord. Mais c'est pas plus joli de venir se promener sur le mont là et de regarder les chalutiers qui rentrent, tout ce balai là qui se met en place tous les soirs. C'est joli à voir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. C'est 7. Hein. Au large, Rudy et ses matelots ont senti les premiers signes du retour du poisson bleu. L'or rouge, c'est le surnom donné par les Marocains au safran. Le pays est devenu aujourd'hui l'un des grands producteurs dans le monde. Toutefois, c'est un produit assez inaccessible pour la majorité des Marocains. Le reportage de notre séquence mémoire d'aujourd'hui dans la vallée de l'Ourika. Les ramasseuses doivent arriver sur le terrain de bonne heure. Chaque jour est une surprise. C'est pendant la nuit que les fleurs mauves de crocus apparaissent, ou pas. 14 tonnes de bulbes ont été plantées ici sur une parcelle de 2 hectares. Aujourd'hui est un bon jour. Les parcelles sont recouvertes de petites fleurs. Il faut faire vite pour cueillir le crocus encore fermé. Tu vois les petites fleurs comme celle-là ? On les laisse. Mais celle-là est assez grande, on peut la prendre. Le crocus renferme le stigmate rouge, le safran pur. Ce stigmate doit rester protégé de la lumière pour garder toute sa pureté. Après la cueillette, les femmes se réunissent pour séparer la fleur du stigmate. La technique est simple et du coup, le safran a donné du travail aux femmes du village. Ben avant, on restait à la maison à ne rien faire. Aujourd'hui, on travaille. Depuis qu'il y a cette ferme, la porte nous est ouverte. On gagne notre vie au lieu de rester à la maison. Le stigmate est ensuite séché. Miloud effectue la dernière vérification, le dernier tri avant séchage afin d'assurer la meilleure qualité. Il ne reste rien d'important. Mais il arrive parfois que les femmes oublient un peu de blanc. Moi, je repasse toujours derrière. C'est seulement après ça que je le pèse. Sur une petite balance. Au Maroc, le safran n'est pas utilisé que dans la cuisine. Le must, c'est de le déguster, infusé dans le thé. Il mérite alors un rituel particulier. Avec cette cérémonie, il exalte toute sa saveur.
Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.